Mezzo voce. Ouh, ça c'est difficile à dire. Peut-être c'est la voix de mon père qui était éleveur de vaches et forestier, qui a chanté avec un ténor très vaillant sur son tracteur. Peut-être c'était ça, peut-être c'était la voix beaucoup plus douce de ma mère qui a chanté à merveille des choses folkloriques, mais aussi de la musique classique, musique de Bach et Handel, etc. Et puis je ne peux jamais oublier la première fois que j'ai entendu Monteverdi, les Vêpres de Monteverdi. J'avais, je pense, 8 ou 9 ans, et j'ai entendu les Vêpres, et ça m'a marqué toute ma vie. Oh, sûrement Nadia Boulanger, qui était mon prof. J'ai jamais rencontré une musicienne de ces qualités, de cette vaste connaissance et une oreille scrupuleuse, une oreille sans pareil, franchement, et exigence, discipline, passion, amour pour la musique, passion pour ses élèves. Elle était dure avec nous, souvent, très dure, mais je l'appréciais énormément. Elle était un personnage extraordinaire. Et oui, Nadia Boulanger. Oui, la messe en si de Bach. Pourquoi? Je viens de le diriger il y a 2 jours, pour la 35e fois, je pense, mais cette fois à Leipzig, dans l'église de Saint Thomas. Et il y a tout dedans, dans cette œuvre. L'intensité, la variété, la pureté, le mathématique de Bach, la danse, la spiritualité, l'exaltation, il y a tout dedans. Oui, Bach. Mezzo voce.